Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser est juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot prie pour Barcelonnette. Prie pour Barcelonnette. C'est mieux, mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame. Ce nouveau-né, madame. Est un petit Hercule. Est un petit Hercule. C'est mieux. Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons. Il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. À quoi ça sert que vous le trouviez ? On veut savoir qui on va séduire ce soir. C'est la dernière. Soit on part en tournée. Oh, quelle heure ? Soit on rentre tous chez nous après le spectacle. Et c'est terminé. Mais c'est tous les soirs qu'il faut être bon. Je joue pas pour une personne, hein. Oh, mais oui, vous êtes logique. Monsieur le régisseur plateau. Et vous avez la clope, le machiniste, le changement de décor, c'est dans 5 minutes. Hein. Machiniste et comédien. Mmh. S'il te plaît. Non. Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette éclairée, de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous ? Tous ceux. Tous ceux. Tous ceux. Tous ceux qui me viendront. Je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Et ton nom dans mon cœur, à l'écho d'un sanglot. C'est bien de l'amour. Ce sentiment qui m'envahit terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. C'est trop romantique. Il en a toute la fureur triste. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont accueillir le baiser de la gloire. Alors, elles te plaisent ? Arrête. Toi, tu m'aurais laissé une photo dédicacée. Pardon. Ah, d'accord. Attends, tu l'as... Mais t'y connais rien, t'as aucune chance, mec. Tu sais ce qu'elles aiment, ces femmes-là ? La lumière. Elles aiment que ça brille. Mais ça doit y aller, là, non ? C'est à moi, là. D'accord, super. C'était bien. Ouais.
ben ça y est. C'est la dernière, on dirait. Toi, t'enchaînes avec un long métrage, c'est ça? Du coup, s'il y a une tournée, tu pourrais pas la faire. Sois sérieux, 5 minutes. Je dis ça parce que... Si tu peux pas faire Cyrano, je me disais, peut-être que... Hé, Cyrano. Roxane, pourquoi pas? Faire Cyrano. Et qu'ai-je écrit 2 fois par semaine? 2, 3, 4? Plus. Et cela t'enivrait. Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort! Tais-toi. Pas devant elle. Et maintenant, Christian? Et maintenant. Pourquoi, à travers ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces vents de sud-est, tu devrais être... Eh bien, toi-même, enfin, toi-même. Merde! Cyrano? Cyrano? Cyrano, réveille-toi! Cyrano! Cyrano, réveille-toi, merde! Ludovic, mais chut! Ma faim est là, moi. Je touche. Ah, ça. Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur à... Il respire correctement. Il s'est juste endormi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'arrêter le spectacle? Bah ouais, je vois que ça. Bah ouais, y'a que ça. Le tourneur. Roxane! Je comprends. Tu ne peux pas y croire, à cet amour. Je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimée plus simplement pour... Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer... C'est con. Il n'y a personne pour le remplacer, hein? Si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'elle est sur scène. C'est ce qui fait toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait. On est dans la merde. Dis pas ça. Ne dis pas cela. Cyrano! Cyrano! Ah, Cyrano. Qu'est-ce que... Te vois la blême? Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Comme un fou. Et davantage. Dis-le-lui. Roxane ! Non, non ! Quoi ? Cyrano vous dira une chose importante. Importante ? C'est quoi ce bordel, là ? Y'a le dos sur le plateau ! Ta gueule, pars-toi, pars-toi. Et arrête d'être dans ma loge. Calme. C'est quoi ça? Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte ou quoi? Aujourd'hui en plus. Non, excuse-moi, je m'énerve, mais je dis ça, c'est pour le spectacle, quoi. Il est même pas comédien, il sait pas. Mais. Vous avez bien dit d'ailleurs. La vérité? Oui. Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi? Mais... Il ne me fera pas de peine. Même lait. Même lait. Ah tiens, on a tiré. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore?
Et davantage, presque. Mon Dieu. C'est vrai, peut-être. Et le bonheur est là. Que dites-vous? Je... Roxane, écoutez. C'est fini. Quoi qu'est-ce encore? On tire! C'est fini, jamais plus je ne pourrai le dire. Christian! Ludovic! Il déraille! Une lettre sur lui. Pour moi. Ma lettre. Pour qui, sérieux? Tu te prends pour qui? Mais moi, je le fais pour vous, moi, hein. Faut aller jusqu'au bout de la pièce. Ça va, t'es à l'aise, t'es tranquille. Tu me dis si tu veux que je fasse ton travail aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Quoi, c'est... C'est pour elle! C'est pour elle que tu fais ça! Tu voulais déclarer ta flamme sur scène! Mais t'es un romantique, mon pote! Un machino romantique! C'est moi qui vais me la taper, Roxane, ok? Quoi? Tu délires ou quoi? Te mêle pas de ça, toi! Tu te prends pour un Cyrano! Mais tu sais même pas tenir une lame! Tu veux que je te montre que t'es un vrai Cyrano? Tiens. Et à la fin de l'envoi, je touche. Viens ici, Ludo! Reviens! Je peux tous les cadets, tous les cadets! Changement de décor! Arrête cette botte. Allez. 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 À la fin de l'envoi, je touche. L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? Hé, hey Ludo! Monsieur de Bergerac! Qu'est-ce que je disais? Depuis 14 années, pour la première fois... En retard? Oui. C'est fou. J'enrage. Je fus mise en retard. Par? Une visite assez inopportune. Ah oui? Quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée? Oui. J'ai dit... À la fin de l'envoi. Rien ne lui fait manquer, repassez dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. C'est Ludo? Tu t'as remplacé? Chut.
Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Allons, racontez un peu ce qu'il y a de neuf, ma gazette. Vendredi 25. La brune Monsigny a dit non le matin. Et le soir a dit oui. Alma, mon deuxième costume, vite. Et samedi 20. Samedi 26. Vite évanoui. Cyrano ? Cyrano ? Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire ? Vous voulez sa lettre ? Ce soir ? Tenez, ouvrez, lisez. Adieu. Je vais mourir. Tout haut ? C'est pour ce soir, je crois. Ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Et je meurs. Jamais plus. Jamais plus. Jamais. Jamais mes yeux grisés. Mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre ? Je crie à Dieu. Vous la lisez. Ma chérie. Mon trésor. D'une voix. Mon amour. Mais. Que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aime à son mesure. Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit. C'était vous ? Non, Roxane, non. J'aperçois toute la généreuse imposture, les mots chers et fous, c'était vous ? Je vous jure, non. Les fleurs, c'était vous ? Non. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre ? Non, je ne vous aimais pas. Mais non. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui ?
devient trop difficile. Chut, cela devient trop difficile. Merde, mais non. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai! Je n'avais pas terminé la gazette. Et samedi 26! 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Oui, ma vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. Je vous aime. Vivez. Que dites-vous? C'est inutile? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non! Non! C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Thank you.